Rien à vous, j'espère que vous allez bien ici, Divorus. On va faire un format de vidéo un peu spécial aujourd'hui. Mettez-vous dans la peau d'un juge céleste, d'un maître du karma. Vous avez deux cas à juger. Le premier cas, c'est un initié qui s'est fait initier et il voit des gens souffrir. Il voit des gens souffrir autour de lui, des maladies qu'il ne guérit, qu'on ne guérit pas, des couples qui se séparent, la pauvreté et autres. Maintenant, les compétences qu'il a, en quelque sorte, ne lui permettent pas, ne peuvent pas lui permettre de, en quelque sorte, aider tout le monde. Il n'a pas cette capacité. Il décide de faire un rituel où il fait appel à Samael, à Lucifer, ou à une, bref, il fait appel à des entités du bas astral, à des entités démoniaques, et il leur demande de lui apporter la connaissance, dans la connaissance des mondes infernaux, on va parler avec les thèmes terre à terre, la connaissance des enfers pour pouvoir aider les gens. Et on lui donne cette connaissance-là. Avec cette connaissance, les gens qui ont des cancers, il les guérit. Les gens qui sont pauvres, il les rend riches. Les couples qui veulent se séparer, il les unit. Mais c'est avec la connaissance des enfers, donc avec la magie, les secrets des enfers. Vous avez cette personne devant vous. On vous demande de juger cette personne. Qu'aurez-vous? Quelle serait sa sentence? Serait-il coupable ou pas? Et dans une éventualité, supposons même qu'il a fait un rituel de richesse aussi à quelqu'un, que la personne en quelque sorte est devenue extrêmement riche, mais avant de le faire, il a prévenu la personne en lui disant: ça c'est de la magie noire, voilà comment je travaille. Et la personne a dit: j'endosse toutes les responsabilités. Et voilà, donc il a fait, sachant que la personne lui a dit qu'elle endossait toutes les responsabilités. Selon vous, est-ce que cette personne devrait être coupable ou innocente? Est-ce qu'elle doit être punie ou pas? Je veux vos réponses en commentaire. Pour le deuxième cas, vous vous rappelez une fois, j'étais en live quand je faisais des consultations. J'avais consulté un jeune homme où je lui ai dit, voilà, qu'il y a un enfant qui pleurait. On montrait un enfant qui pleurait. Il m'a dit qu'il n'avait pas d'enfant. J'ai dit, mais moi, je vois un enfant qui pleure. Voilà. Il m'a dit qu'il ne savait pas qu'il allait se renseigner. Et apparemment, le gars m'a écrit. Il m'a fait comprendre que, bon, il m'a fait un vocal que vous allez écouter à la fin de la vidéo. Il m'a fait comprendre que, voilà, quand j'avais fait la constatation, tout ce que je lui avais dit, c'était réellement ça, c'était vrai. Mais sauf que le côté de l'enfant qui pleurait, il ne savait pas trop. Bon, il disait peut-être une fille avait avorté son enfant. Mais le problème, c'est que quand j'avais décrit la fille dans la consultation et l'endroit où la fille vivait, ça ne frappait que sur une seule fille. Et il a fait ses recherches, s'est rendu compte qu'en fait, la fille était réellement enceinte de lui. Et la fille lui a fait comprendre que non, l'enfant est mort 3 jours après la naissance, d'après ce que la fille... D'après la réponse que la fille a donnée au gars. Maintenant, un enfant est mort. Quand un enfant meurt, si c'est le cas, mais on a montré un enfant qui pleure. De toutes les façons, ça veut dire qu'il faut apaiser cet enfant. Il y a des rites qui doivent être faits et des rites n'ont pas été faits. Dans ce genre d'état de figure, supposons même cet enfant se réincarne sans que les rites d'apaisement qui devraient être faits ne soient faits. Comme quand on avorte un enfant. Parce qu'un enfant pleure, ça veut dire qu'il y a des rites d'apaisement qui doivent être faits. Exactement comme dans les cas d'avortement. Maintenant, dans un cas comme celui-ci, où la femme avait toutes les informations et le gars n'en savait rien, vous devez juger. Vous êtes un juge célèbre, vous êtes un maître du karma, vous devez juger cette affaire. Quelle serait la sentence, en fait? Qui allez-vous punir? Allez-vous punir la femme? Allez-vous punir l'homme? Ou alors, allez-vous punir les deux? Et même si vous punissez les deux, est-ce que la sentence sera la même? Donc, je vais avoir vos avis en commentaire. Voilà. Donc, on va un peu... On va... Et puis aussi, maître, j'ai envie de te parler de quelque chose. Bon, j'avais dit que j'allais le faire quand je serai vraiment prêt, surtout financièrement, parce que j'envisage de faire un travail de fond en comble. Mais, néanmoins... La dernière fois que, bon, pas la dernière fois, mais il y a, je pense, le mois passé, tu as fait un live où tu as fait une voyance sur moi. Dans cette voyance, tu as dit beaucoup de choses. D'abord, pratiquement tout ce que tu as dit même était exact. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Tu as dit que j'ai un enfant avec une fille de chez moi. Je ne sais pas si tu peux te souvenir. Bon, à ma connaissance, non, mais j'avais quand même des doutes. Et dans la voyance, tu as dit que tu vois l'enfant en train de pleurer. Ça m'a beaucoup marqué parce que l'année passée, toujours dans mes recherches de ce produit-là, je me suis retrouvé dans un village, dans ma région d'origine, dans mon coin d'origine. Et dans ce village-là, il y a effectivement une fille que j'avais rencontrée là-bas. Donc, c'est elle qui devait en fait être l'intermédiaire parce qu'elle nous avait fait comprendre qu'il y a quelqu'un qui a ça là-bas. Pour l'angoisser, donc tu sais comment les hommes nous sommes. C'est comme ça que, bon, un coup de soir comme ça, et puis c'est ce qui devait se passer, c'est passé. Mais je n'ai plus jamais retouché cette fille. Je suis rentré en ville,
Quelques mois plus tard, j'ai pris mon argent, je suis allé à l'extérieur. Mon ami avec qui j'étais allé là-bas m'appelle pour me dire que la fille est enceinte. Je dis, c'est pas possible. J'ai fait un appel international pour jouer à la fille parce qu'elle est dans un endroit exactement comme tu avais dit en France, où même le réseau, même il n'y a pas. C'est vraiment la forêt, la bosse. C'est un village vraiment. pour voir le goudron, tu vas faire moins de 100 km. Bon, j'ai insisté pour jouer la fille en direct. Elle me fait comprendre qu'elle n'est pas enceinte. Or, le gars sortait avec la soeur de la fille. Parce que la soeur de la fille, les deux étaient jumelles en fait. Sont jumelles puisqu'elles sont toujours en vie. Et lui, il me fait comprendre que sa copine à lui a dit que sa soeur est enceinte. Moi, j'appelle la fille, elle me dit non. Bon, j'ai parlé ça du revers de la main. Lorsque tu vas faire avancer, appelle la fille. J'ai dit à la fille, je t'avais demandé si tu étais enceinte, tu m'as dit non. Bon, moi, on me dit donc que tu as accouché et que l'enfant est en train de pleurer. Mais elle me dit que l'enfant est mort. Elle avoue qu'effectivement, elle était enceinte et que elle avait accouché. Mais sauf que l'enfant est mort 3 jours exactement après la naissance. Donc, un jour comme ça, la nuit, le sang a commencé à sortir par les oreilles, le nez, la bouche. Et puis, voilà, l'enfant est décédé. Sauf que moi, ça m'intrigue. Parce que là, on parle d'une affaire de janvier. L'enfant est mort depuis janvier. Oh, toi, dans la vision, tu vois que l'enfant est en train de pleurer. Moi, je me suis posé la question que. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai dit à la fille, j'ai fait la France, on m'a dit, si, ça, ça. Donc, essaye de faire des rites. Parce que ça se peut que l'enfant qui est parti à l'endroit où il est, il soit fâché, peut-être qu'on n'a pas pris soin de lui, que toi, tu n'as pas pris soin de lui, parce que c'est toi qui étais avec lui. Peut-être qu'il est mort par manque de soin. Là, ça m'a fait comprendre que l'enfant n'avait pas lui. C'est ce qu'elle m'avait dit. Je lui ai donc dit, essaye de faire des rites pour te laver, pour l'apaiser là où il est. Donc, je tenais vivement à te parler de ça, mais j'avais décidé que c'est lorsque moi-même je venais en personne. Parce que j'ai beaucoup, il y a une charge de problèmes, de situations, il faudrait vraiment que j'ai un travail de fond en comble.